Bonjour à tous, c'est HTMOZA et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un let's play sur le jeu Condamned 2. Un jeu qu'un ami abonné m'a fortement poussé à faire. C'est lui qui m'a prêté le jeu, c'est lui qui a absolument assisté pour que je le fasse. Et j'ai décidé de le faire parce que je suis pas vraiment pour les let's play, tous les let's play, les spammers. Parce que faire des let's play sur des jeux récents, voire des gens qui l'ont avant leur date officielle de sortie et qui font le let's play, je trouve pas ça vraiment normal. Donc là c'est un jeu qui est sorti en 2008, donc au début de la PS3. Donc c'est pour vous dire que ce sera pas un jeu avec des qualités graphiques qui vont faire rêver. C'est un petit jeu bien sympa, d'horreur, avec une petite histoire. Donc c'est un jeu totalement en anglais, donc du coup il y aura les sous-titres français. Donc ceux qui ne savent pas lire, ça va être un petit peu embêtant pour vous, mais voilà. Donc c'est un petit jeu sympa, et je vous laisse tout de suite sur la première cinématique du jeu. Lieutenant, I'm a friend of Ethan Thomas. He must be warned. He must know that it's not over. I've tried contacting him. Donc nous revoilà après cette petite cinématique qui nous met bien à l'aise, je trouve. Non, pas vous. Pas moi non plus en fait. Et là, le petit menu, plutôt pas mal fait, on va dire, pour l'époque, mais ils auraient pu mettre des images, des oiseaux, au lieu de mettre un corbeau éventré, enfin bref. On va tout de suite lancer le mode solo. Donc j'ai pu commencer le début de la première mission, mais j'ai eu un problème avec mon Game Capture HD. Donc on va tout de suite recommencer en normal et je vous laisse sur la deuxième cinématique du jeu pour un peu vous éclaircir les idées. Allez, à tout de suite. I received a call 10:36 this morning. Any idea who this man is? Why he called you? No, sir. Where is former Agent Thomas? We're not sure. It's been 11 months since his suspension. He was cleared of those charges. Right. Nevertheless, he resigned from the agency shortly after and basically disappeared. Probably passed out in some gutter. Unlikely. A man like that doesn't just lie down quietly. Okay, let's find Mr. Thomas and bring him in. It's for you. Says his name's Malcolm Van Horn. Right, but if he calls again, I'm hanging up. It's a fucking answering machine.
it out! Bring it back home now. Yeah. Now. That's me, Ethan Thomas. Drunk, tired, pissed off. Why? Because this damn city's too fucking blind to see what's killing them. But I can. I've seen the unspeakable. It's out there. I have a feeling we're about to get better acquainted. Donc voilà, donc la petite cinématique qui nous rappelle que la violence et la drogue, c'est mal. On est en train de me spammer sur Skype. Bon, je vais de deux mois, ça marche pas. Ah merde, c'est bon. Le live sur Twitch ne fonctionne pas. Visiblement, c'est pas vrai, c'était juste un petit live comme ça. Enfin bref. Donc j'espère que ce petit let's play va vous plaire. N'hésitez pas à le faire partager si le jeu vous plaît. Et si vous voulez acheter le jeu, il doit pas valoir vraiment très cher d'occasion de nos jours. Quoi, parce qu'il y a quand même pas mal d'années, il y a au moins 6 ans. Quoi. Donc voilà. On va trouver un peu de jeu, d'accord. Appuyez sur rond pour lui éteindre la lampe torche, d'accord. On tira visiblement une vapeur, du coup. Je vais lui marcher dessus, normal. Enfin, bref. Okay. Croix pour... petit fuck normal au clodo. Qu'est-ce qu'on veut? Bonne nuit, donc. D'accord. Écoute, j'ai vraiment pas besoin de me dire. Je vais faire ça, je sais pas quoi là. Mouvement spécial, ça va. Je crois. Ça peut penser un petit peu à Outlast quand on passe comme ça. Faut s'appuyer. D'accord. Et dégage, je te fais. On peut pas ouvrir la porte, merde. C'est un petit peu alcoolisé, d'accord. Il y a une télé en plein milieu de nulle part qui n'est pas branchée. Ouais, pas de soucis. On file par où? On fait le mec qui se cache, normal, il file les mecs. D'accord, combat à point. Au point, pardon. Allez, prends ça. Ils se battre un petit peu particulière, d'habitude ils ne font pas comme ça dans les deux. Ouais, bon, un au suivant. Putain, la violence, je rappelle que c'est mal, bien entendu. Allez, et de deux, pouh. Sauvegarde un coup. Bloqué, pareil, d'accord. D'accord, d'accord. Bien. Pas mal. Allez, tiens. Ah, il est chaud, lui. Hein. Il aime bien de bouffer des coups, d'accord. Punching gun. On le tape. Allez. Pas envie de tomber. Ouf, putain. Bien, maintenant, bas l'ennemi. Ah, d'accord. Voilà, il faut faire le geste avant. Sinon, il était un petit peu imbattable. Donc, me revoilà. Désolé
Mon game capture HD est encore planté, je sais pas pourquoi, et on se retrouve juste ici. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai fini la partie tutoriel du jeu. Et j'ai juste franchi cette porte là, qui est maintenant fermée. Et je suis descendu en bas, il y avait un mec qui m'attaquait, et puis voilà. Donc là il y a un chiant, d'accord, je suis descendu ici tout à l'heure. Je vous jure que ça commence à me mettre mal à l'aise. C'est dingue. Je sais pas si vous l'entendez, il y a une petite musique, mais... vraiment... pas génial. On va voir si j'arrive à capter TF1. Non, je capte rien. Oh là, on capte rien du tout. Peut-être retourner en bas. Peut-être les clés en bas, je sais pas. Je sais pas vous, moi ça me fait penser un petit peu à Outlast là, avec les petites lampes de poche. Enfin, dans Outlast, c'est une petite caméra. Avec ce petit air. Il peut toujours arriver quelque chose, un truc qui te bondit à. Ah la gueule. Donc j'espère que ce petit let's play vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'accord, je viens d'arracher un câble électrique. À me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous plaît, de changer un petit peu. Voilà. Là, il y a une autre télé là-bas. Ah oui, on avait. Voilà. Dès que je m'approche de ça, ok. Oh, tu fous. Vous croyez que ça s'adresse à moi? Et c'est dingue comment ça. Ça peut me mettre mal à l'aise. Oh putain. Putain! C'est quoi ce mec? Oh putain, j'ai lancé mon arme. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Ok. Le mec m'a tué en un coup. Recommencer depuis le point de sauvegarde. Le mec m'a tué en un coup, quoi. Il m'a donné une baffe. Ah, j'ai des frissons. Oh putain, okay. Donc on se retrouve en haut. Ah bah justement, vous allez voir. Le mec fou, putain, c'est dingue. Rire. Le mec là, il est complètement fou. On va bien lui péter la gueule. Voilà. Voilà. Donc vous avez lu ce qu'il y avait, ce que j'ai vu tout à l'heure. Par contre, cette barre là, je l'aime bien. Donc c'est les trucs comme ça. Il y a à côté. Voilà, il y a là. Cette fois-ci, il me tue pas en un coup. Et c'est agréable. Crève. Je relève pas. Pourquoi il mûre une bouffe? Je vais récupérer une barre de santé. Il y a de l'ombre. Putain, la porte est ouverte, normal. Un sauvegarde en cours. Oh putain, voilà, n'importe. Non. Je suis bloqué là. Même pas sauter, je peux rien faire. Ah, ok, on est Hulk, d'accord. Ah, d'accord. Alors, les attaques enchaînées, ça a l'air d'être cool. Par contre, on est bloqué. La pharmacie.
terrain. Crève, putain, ça. C'est quoi ce délire? C'est quoi les attaques infinies? Y'a rien d'accord. Sérieux? Ah, oh là là! Ah, j'ai pu sauver. Ah non! Ça va être compliqué leur truc. R1. Plusieurs fois. Ah, mais c'est chaud! Tu vois que c'est des vieux jeux, ça va pas marcher. C'est des jeux où ça marche jamais le truc qu'ils nous disent de faire. Allez! Ah bah c'est ça, j'ai pu quand même malade. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Artisanal. Quoi ça? On en a pour 10 ans en fait, ça? Ah là là, n'importe quoi. C'est incroyable. Chut. Allez, s'il te plaît, non. Le mec il met juste ses deux mains devant le visage, c'est normal. Il ne se passe rien. R1. Non, ça marche pas. R1. Oh, j'ai été presque. Pas du tout en fait. R1. Non. L1. Quand le mec il se prend, il faut appuyer sur L1. Là, L1. R1 toujours. Oh. Ok, il faut appuyer juste une fois et fort. D'accord. Enfin, fort. Pff, oh là là, fallait comprendre. L'adversaire. D'accord, c'est génial. On va faire ça. Oh putain! Je crois que c'était son bras qui a fait du bruit. Crève. Crève, il faut faire quoi? Je peux le traîner alors? Il est télé. Ah d'accord, ça va pas mal. Donc on est toujours à la partie tutoriel. Non, je crois que c'est bon. Ok, les mecs ils vont détruire la Resident Evil. Oh, ça il est dégueulasse. Donc oui. Il nous manque des mains en fait. C'est avec des moyens. Dégueulasse ce jeu. On peut même aller aux toilettes, c'est vraiment génial. Je vais vous laisser sur cette première petite partie. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve très prochainement dans ces mêmes toilettes. N'hésitez pas à le faire partager ce petit let's play à vos amis. On se dit à très vite, à très bientôt. Allez, ciao.